Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour démarrer encore une fois un nouveau let's play, celui de Lies of Pi. Et oui, le jeu n'est pas encore sorti, il est en accès anticipé de 72 heures. Et j'ai pas pu tenir, écoutez, j'ai pas réussi à tenir. Le jeu m'appelait. On va donc le démarrer ensemble et l'essayer, le tester. On l'avait déjà testé sur sa version démo et franchement c'était une belle réussite. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se met en performance ou en qualité? On va le tester un petit peu en qualité, on verra bien s'il faut ou pas changer les choses. Oui, d'ailleurs on est en DLSS nous, hein. Plutôt faire ça. Réglage optimal, hein. Je vais juste voir si il y a une histoire de flou quelque part. Occlusion blanc, les reflets, les effets. Non, non, non. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose de flouté. Allez, on va démarrer le jeu ensemble et tout de suite découvrir ce jeu qui, ma foi, voilà, je le présente pas, c'est un Souls et qui a l'air de reprendre vraiment la. Le Souls de base, on va dire ça comme ça, hein, acté sur un monde fermé et sur une très belle réalisation. Allez, on se lance. Mensonge en cours, dis donc. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Ah oui, hein. C'est vrai que cette petite main là comme ça qui se resserre, c'est vraiment très cool. Déplacement de caméra. Ah, c'est toujours un peu flou, hein. Y a toujours cette histoire de flou que je n'arrive pas à gérer, je sais pas trop pourquoi. C'est fait exprès, c'est un effet de lumière. Mais bon, on aurait pu s'en passer. Alors comme vous l'avez vu, j'ai pris la version collector, ce qui fait qu'on aura des petits bonus. Bon, les différents vêtements qu'il a récupérés sont pas terribles. Mais c'est pas grave. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Crot and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Alors, ils ont eu Jimmy, ouais, je sais pas, utiliser la ceinture. Présélectionner la ceinture haut et bas. Utiliser un objet de ceinture. Équiper les objets et gestes sur la ceinture pour les utiliser. C'est quoi les gestes? D'accord. Maintenez pour activer le sac supplémentaire. A plus bas pour utiliser les objets. Équiper les objets et gestes sur le sac supplémentaire pour l'utiliser. Alors là, on a de ce côté-là la ceinture des boosts de vie. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. On a un bras en acier qui frappe. Let's get you out of there. Find something that might help. Il y a quelque chose d'utile. On va enfin avoir des armes. Et oui, on est là pour ça, hein. Streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Le jeu va être très malin, je trouve, sur sa DA. C'est très pur, c'est très beau. La voix du bâtard, enfin dextérité, la voix du criquet, équilibre. C'est quoi, c'est un arc ou un point, ça? Certainement un point pour pouvoir faire des contres. Et la voix du balayeur, force. On va prendre ça. Lame de grande épée.
On va regarder tout de suite nos armes. Alors, on a différents objets. Des lunettes du grand Venini. Le manteau. Et le masque. Ainsi que les objets préco hein, pour tout le monde. Ça, c'est cette fois-ci les vêtements de marionnettes. Et les chapeaux de défilé. Qui sont bien moches, ma foi. Alors oui, c'est vrai qu'on peut prendre et la lame et la poignée. C'est ça, en fait. On a ici des amulettes que je n'ai pas. Et ici, des pièces de défense. Enfin, c'est les ossatures de, des ateliers. Convertisseur ancien de génération du syndicat de l'atelier. Il va falloir régler tout ça. Hein. Ça, c'est nos protections, semblerait-il. On regardera plus tard. Ça, c'est toujours notre ceinture, les sacs supplémentaires et les costumes. Les costumes, c'est juste... c'est pour faire joli, ma foi. Ouf. Et... eh ouais. Faut l'assumer. C'est juste pour faire joli. Il rajoute rien hein, avec ce manteau. Alors, un manteau de haute qualité conçu pour Venini lui-même. Venini porte constamment le même manteau. Avec ce manteau, vous aussi, vous pouvez devenir un grand Venini. Même si, évidemment, je suis le seul à être vraiment grand. Ah ouais, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus. On va voir ce que ça donne. C'est assez joli, mais ma foi, bon. Alors, c'est très bien hein, que ce soit pas des... matériel qui nous booste. Parce que je trouve que c'est pas parce qu'on paye qu'on doit avoir du matos plus boosté. Quant aux 3 jours, je vous dirais que j'aurais pu les éviter aussi. Hein. Et là, j'avais un peu de repos. Alors. Je ne me souviens plus comment tu dashes, là tu roules. Ouais, c'est vrai que t'es lourd. Bon, par contre, Venini, t'es gentil, mais. Mais je m'y attendais, hein. Je préfère avoir directement ce que le jeu nous proposait. Les lunettes, on est obligé de les avoir. On va tirer, voilà, c'est bien. Alors on va voir si le jeu est plus dur ou pas que ce qu'il était dans la démo. Bon, pour l'instant il est très très dur. Avançons tranquillement. Accumulateur de pulsation. Utilisez un accumulateur de pulsation pour restaurer vos points de vie. Vous ne pouvez utiliser d'accumulateur de pulsation qu'un certain nombre de fois. Une fois ses limites atteintes, l'accumulateur sera déchargé. Attaquez un ennemi lorsque l'accumulateur est déchargé pour le recharger progressivement. Ça par contre c'est intéressant. Alors ça c'est pour changer mon arme. Ça c'est pour changer ce qu'il y a en dessous. Je ne sais pas ce que j'ai mis ici. On va tout retirer déjà. Et on va regarder le matos. Parce que j'ai pas envie d'utiliser des trucs qu'il faudrait pas. Ça c'est l'accumulateur, ça c'est bien. Répare la durabilité de l'arme. Augmente la luminosité lors de son utilisation. Et provoque la mort immédiate du personnage. D'accord, la luminosité ça peut peut-être être intéressant, pardon. Objet de G. Ah d'accord, la roue c'est un objet de G. Ça je sais pas si oui ou non ça va être utilisé qu'une seule fois ou pas, on verra bien. On aura la surprise.
Voilà. Petit catalyseur. Je me suis bien raté, mais c'est pas grave. On saura pour la prochaine fois. J'aurais aimé la roulade sur un autre bouton, mais c'est pas grave. Le A, c'est juste pour une histoire de potion en plus, donc on va regarder ça tout de suite. Oui, je suis embêtant, mais on va jouer longtemps en vibration de la manette. Oui, permettre des touches, donc déplacement, rue et esquive, interagir avec A. Eh ouais, attaque normale, attaque spéciale, verrouillage, garde, Y pour les arts de je sais pas quoi là. X pour l'objet de ceinture. Ça c'est bien aussi. On n'a rien sur B? Si, le voilà. Ruée et esquive. Quoi, quoi, quoi? Voilà. Alors, garde. Ouais. Vous pouvez bloquer des gardes ennemis avec votre garde. Si vous gardez, si votre garde est réussie, les dégâts subis seront réduits au prix de votre endurance. D'accord. Les dégâts réduits sont transférés dans votre regain de garde. Le regain de garde s'accumule, mais diminue progressivement au bout d'un certain temps. Si vous avez accumulé un regain de garde, vous pouvez attaquer des ennemis pour récupérer des PV. Ah ouais? Pour accomplir une garde parfaite, effectuez votre garde réussie juste avant de se faire toucher. Avec une garde parfaite, vous subirez aucun dégât et consommez seulement de l'endurance. Vous pouvez utiliser des gardes parfaites pour réduire l'arme d'un ennemi ou le rendre stupéfiable. Ah, et ça c'est bien, mais alors c'est quoi ce regain de garde? Le regain de garde s'accumule mais diminue. Progressivement, blablabla. Bon, on verra. Le regain de garde, ça doit être la jauge bleue, très certainement. Ah oui, pétons tes trucs, après tout, j'ai rien cassé. Wow! Alors. Ouais, à chaque fois tu prends un peu de temps. Je m'attendais pas à ce que tu m'attaques, toi. Il doit être par là, le mec. Oh, je suis trop rapide. Termite. On regardera ça après. Et voyons tout ça. Oh, je suis en train de me dire qu'il faut que je remette les... Je suis embêtant. Paramètres de touche. On peut pas les remettre. Je m'attendais pas à ce que... Ben voilà, je préférais ce genre de coup en attaque faible. Mais bon. On va essayer de voir tranquille.
toi, toi. Putain, mais je suis vraiment pas bon dans les... Ah, voilà. C'est dingue, ça. Note du passager. Si vous trouvez cette lettre, sortez de la gare et fuyez. Ah, quand même. Les notes sont où? Dans le sac? Matériaux, objets fonctionnels, armes, lance-poignée, pièces de défense, amulettes, costumes, gestes, objets collectés. Ah, c'est tout. Fuyez, pauvre fou! On va essayer d'avancer tranquillement pour essayer de se choper ce fameux regain de garde. Voilà. Oh là toi, putain, j'ai cru. Je t'avais carrément pas vu toi en fait. Ah oui, c'est tellement calme et posé. On a l'impression que tout va bien. Pourtant, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, tout le monde est mort. Alors lui là, je me souviens qu'il était violent. En plus, moi j'ai déjà utilisé... Il y a des portes et des échelles partout dans Krat qui sont verrouillées par des appareils. Vous pouvez déverrouiller ces portes ou descendre des échelles pour créer des raccourcis. Oui. Et là, je peux pas l'utiliser. Ah si, je peux. Ah, je peux. Ok. Alors, il est où, Loulou? Ah, il est en train de se faire plaisir, lui. Par contre, j'espère qu'il est tout seul. Hein. Ouais, je me souviens de lui et je me souviens que j'avais eu du mal. J'ai eu du mal et j'ai bien fait en fait. T'en faut pas deux. Faut que je te bloque. J'apprenne à bloquer lui. Ah d'accord, j'ai déjà plus. Bon, t'es chiant. Putain, le deuxième. Alors, matière RT pour une attaque chargée. En attaquant, la barre de points de vie d'un ennemi sera entourée de blanc et vous pourrez le stupéfier avec une attaque chargée ou des arts de table. De table. Ah ouais, je suis mort. Bah, mais pourquoi tu me parles maintenant, toi? Alors, on apprend, on apprend, on apprend. Il est lourd avec cette arme. Bon, on est déjà mort, ça commence bien, pourtant le boss est pas très complexe. C'est pas grave. On va essayer. On va tester ces attaques chargées un peu là.
Effectivement, je vais essayer de le contrer. Alors, il y avait du monde là ici, mais je sais plus où. C'est drôle d'ailleurs que l'attaque chargée soit moins puissante que une simple attaque. Parce que là, deux simples attaques m'ont permis de le tuer, alors qu'une attaque chargée, non. Alors, toi t'es là-bas, on va essayer. Ah bah ouais, d'accord. Bon, j'allais dire, tu vas pouvoir... Ouais, mais fais pas ça maintenant, toi. Y, leur couleur de... fable de la lame. Pour une garde. Lors d'une garde, utiliser les arts de fable de la poigne. Qu'est-ce que c'est que ça? Y pour utiliser... Ah oui, les armes de la poigne vont faire quelque chose pour garder. Et par contre, j'aurai une attaque spéciale. Les arts de fable changent selon chaque lame et poigne d'armes. Les arts de fable utilisent des emplacements de fable. Les différentes attaques de fable utilisent un nombre différent d'emplacements. Ah bah dis donc. Chargez les emplacements de fable en attaquant des ennemis avec des armes. Il est tard. Je vous cache pas que... Alors toi, je vais essayer d'attendre que tu fasses ton truc. Viens. Bah, c'est pas fou. Ça va être cool, mais pas tant que ça en fait, comme d'habitude. Oh là 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 là, il faut que j'arrête avec ça. Moi. Ça sert à rien, pas avec cette arme là. Non mais, eh oh, venir. Est-ce que je peux faire une attaque chargée avec Arnie? Mais non, pourquoi t'en fais une deuxième? Je comprends pas là. Pas demandé la deuxième. Ah, je râle sur le jeu. C'est parti de mon truc ça. Et bien sûr, je m'y mets trop tard. Pourtant, je le vois arriver. Hein. C'est fou quoi, que je sois aussi lent ce soir. Il suffit juste de... T'as réussi à m'en placer une dernière. Des fois t'en fais deux, des fois t'en fais qu'une. On a notre lâche. Hein. Ah, puis en plus, je me suis grillé mon art de je sais pas quoi et je l'ai même pas touché. J'ai complètement foiré, quoi. Bah oui, c'était pas dur, quand même. Clé d'entrée principale de la gare centrale. Et puis un autre truc que j'ai pas eu le temps de voir. On peut s'équiper des choses... Ou à Dante encore.
D'accord. Pas d'amulette. Qu'est-ce que j'ai récupéré alors? Ceci. Une ossature légère de syndicat de l'atelier. Et ça, c'est une ossature de base de syndicat de l'atelier. Donc on a un poids qui augmente. Taux de réduction des dégâts physiques. On monte à 11. Par contre, ouais, j'ai le poids qui augmente, quoi. Et il est lent, là, mon petit pi. Bref, c'est pas grave. Allez, on avance. Allez, c'est pas fou, en ce moment. C'est que je me concentre, je suis fatigué. J'essaie de pas faire n'importe quoi. J'essaie surtout de découvrir le jeu. Alors... on peut enfin ouvrir la porte. Ce semi-boss là qui était un simple mob. Ah ouais, c'était chouette. C'était très très chouette, je me souviens de ça. Une belle ambiance là, quand même. Très très belle ambiance. Il va falloir regarder un peu partout tout de même parce que il y a beaucoup de détails. On peut vite se paumer, je pense. Alors, ça va être notre feu. Hein. Utilisez un Stargazer pour restaurer la totalité des points de vie et de l'endurance. Et pour charger pardon, vos accumulateurs de pulsations. Vous ressuscitez à cet endroit après votre mort. N'oubliez pas que ce processus ressuscite également vos ennemis. En plus de votre personnage. Eh ouais, c'est un peu le souci. A marvelous device the stalkers used in the past. Warning. Public threshold exceeds danger estimates. Please reduce puzzle numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. La force du Stargazer ne dure pas éternellement, c'est-à-dire... Alors, utilisez la montée de niveau vitalité, vigueur... La vigueur va nous booster quoi alors? L'endurance, évidemment. Regain de garde, d'accord. Physique feu... La vigueur, ça booste le physique. La capacité, ça va booster notre légion, notre poids, notre physique. Ça peut-être. Parce que j'aimerais bien être assez tranquille. Mobilité. Physique, feu, décharge. Technique. Attaque physique. On passe de 120 à d'accord. Et progression. Capacité offensive du bras de légion. Et capacité offensive de l'arme. On peut directement se battre au bras. Par contre, il n'y a pas de force. Stargazer. C'est quoi? On va booster ça. T'es à 15. Ouais, comment je booste mon arme, ouais. C'est ça, hein, ça va booster les deux en fait. C'est la mobilité là, ce qu'ils appellent la mobilité, ouais. Stargazers. Avec quoi je peux frapper Parce qu'il parle de points, mais D'accord. Bienvenue dans la ville de Krat. Ouais, ouais, les... Yo.
que je suis plus rapide. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Mes stats, elles sont où? Vitalité, capacité, ouais, mais là je le vois pas. Je suis à 44% au niveau du poids. Ce qui est finalement pas mal. Si j'enlève mon épée, est-ce que je peux l'enlever? Ouais. Ah ouais, je suis plus rapide. Vraiment, on va essayer de latter un mec juste avec le poing. Elle est chiant. Oh, et c'est pas mal, hein. C'est pas mal cette histoire. Par contre, ah ouais, je peux pas. Il s'est passé un truc là. J'ai un taux avec le bras d'acier. Je peux pas faire n'importe quoi. Dommage. Là, je suis plus long. Évidemment. Par contre, il y a des chiens. On est où les gars? Comment ça se remonte cette histoire du point là? Il y a beaucoup de choses à se poser comme question. Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser, pardon. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Ah, bonjour. Ah, hey. Foiré. Est-ce que le point nous redonne de la vie? Utiliser un objet de nature, pour effectuer une attaque à distance, mais ça m'intéresse pas. Parce qu'il parlait de retour à la vie quand même, je pense que c'était. Enfin. On va voir. Attaque-moi toi. Non, ça booste pas ça. Oh. Non, 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 obtenir. Eh oui, disons, mon point, là, ça y est, je l'ai fini, quoi, il remonte plus. Mais c'est assez bon quand même. C'est quand même très grand. Aïe! Pas maintenant. Bon, le jeu est beau. Il est pas splendide, mais il est beau. Je vais regarder, faire des petits tests de mon côté aussi. Arrête, toi, t'es énervé comme ça là. Bon, ça, ça devrait te calmer, ça. On va remonter dans la zone du haut et puis je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 35 minutes. Oui, c'était pas palpitant, je vous l'accorde. J'ai passé beaucoup de temps sur ce mob qui voulait rien dire, mais il faut apprendre un peu à jouer avec le jeu. Et c'est vrai que cette arme est sympa, hein. Elle fait du mal. Moi, je suis content de l'avoir, mais c'est, elle est comme prévu. Elle est. Oh, oh, oh. Voilà,
Par contre, mes contres, c'est pas ça. Hein. Je les connais pas encore, ces mobs. Et puis alors, vu qu'ils tapent un peu... follement. Il y avait un chien. Par contre, cette arme est parfaite pour les yinches. Les chiens, excusez-moi. Je fais le Jones. Journal de Kraus. Je verrai ça plus tard. On peut pas aller là. On a fait un peu le tour, hein. Ouais, on est bloqué. La prochaine étape sera plus bas. Ah, même si j'ai envie d'y aller. C'est compliqué. C'est compliqué. Waouh! Ah, tu m'as surpris, toi! Bah oui, je m'attendais pas du tout à voir cette zone-là. C'est comme ça. Ah, oh, c'est bien. C'est très très bien. Bord, nous voilà. C'est très beau. C'est chouette. On voit en plus la pluie sur le personnage. Il y a plein de petits effets comme ça. Hein. Il est vraiment sympa. Ouais, je peux pas passer là. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Comment je peux faire pour aller là? Alors, attaque furieuse. Certains ennemis peuvent devenir rouges et utiliser une attaque puissante appelée attaque furieuse. Si vous avez, si vous pouvez ni esquiver, ni utiliser une garde contre ces attaques, mais une garde parfaite peut les contrer. Ah ouais, donc j'ai pas le choix, quoi. Super. En jeu, moi. Mais oh. T'as été en train de reprendre ta vie là? Eh oui, dis donc. Alors je pars très très mal, faut que j'apprenne à parer. Et c'est mes armes qui sont en train de prendre cher comme ça là? J'ai un point de vie. On répare la durabilité de l'arme. Rien à voir. Eh, dis donc, il est cassé. Et donc
passe quelque chose ou pas là? C'est bien que je fasse main, mais c'est juste cassé en fait, j'ai rien réparé du tout. Bon, je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Durabilité de l'arme avec X. Ça n'a pas l'air de l'améliorer. Hein. Recharge la fable. Bon, ma thermite. Ouais, je... On va essayer ce consommable là. Hein. Ouais, oui. Ça m'intéresse pas ça. Mais par rien, chef. Celui-ci, hein, on y arrive. Par contre, ça s'embosse. Ce qui fait que, étant donné que j'ai plus d'armes, enfin, c'est pour ça qu'en fait que je faisais quasiment plus rien. J'ai pas fait gaffe à ça, moi, qu'il y avait une histoire d'armes. Ah voilà. Et en plus, on me tire dessus. Hein. Ah oui. Ah, ils ont plus de tête, c'est excellent. Je dois l'habiller là. Oh mais... Pas vrai. Ah bah vous avez qu'à venir à 10. Ah oui mais il y a l'autre là. Oh, j'ai plus de vie. Mais non. Hey, cette histoire de changement en plus de X là, je me suis même pas rendu, enfin, redonné de vie quoi. J'ai plus d'armes, c'est terrible. C'est terrible. Hey, tiens, si je passais dans un endroit à la con où je vais mourir. Belle idée ça. Je peux plus rien faire quoi. J'arrive vraiment qu'on m'explique cette histoire de réparation d'armes. Je pense que j'y ai pas encore accès.
Là, on arrive là où j'avais vu ce truc, hein, outil de réparation. Ah, voilà, outil de réparation. Ah non. Regardons ça. Répare instantanément la durabilité de l'arme. Et ça, ça fait quoi alors? Ça répare pas la durabilité de l'arme, ça fait quoi? Répare la durabilité de l'arme aussi, ouais, super. Répare instantanément la durabilité de l'arme. Une durabilité de l'arme. Son usine de fabrication ayant été détruite durant l'occupation de marionnettes, c'est aujourd'hui un objet extrêmement rare. Utilise un affûteuse pour réparer vos armes. Si la durabilité de l'arme est un 0, l'attaque baisse et l'arme ne peut plus être réparée par une affûteuse. Alors surveillez... Ah ouais, il avait dit quoi d'autre? Pour ceux au cours de la bataille, l'affûteuse est un filet de sauvetage. Le tranchant de la lame peut faire la différence entre la vie et la mort. Ben ouais, c'est pas faux. Pour ça que je frappais pas en fait. Pas vrai ça. Et là, il s'est rien passé. Super. Pas du tout réparé mon histoire là. Mais c'est pas vrai. J'ai utilisé ce truc en plus. Oh non. Quand c'est cassé, c'est cassé. Bon bah super. Ah bah j'y ai. Alors j'espère qu'on va pas se taper un boss là-haut là par exemple, ça serait parfait ça. Il faut bien un boss ici. Vous avez qu'à venir à 12. Oh mais tu peux pas me toucher là. Ouais, ça va continuer à casser en fait. Hein. Je fais bientôt plus aucun dégât quoi. Là, je veux pas aller là. Là, il y a du boss quoi. Non, peut-être pas par contre. Peut-être pas. N'attaquez pas, les gars. Bon, très bien, ça. On peut sauvegarder ici. Rassure-moi, par contre, tu vas réparer la... l'arme, hein. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça. Allez, on est monté à 15. Alors, c'était pas mobilité. De toute façon, pour pouvoir faire plus de dégâts, c'était technique. Non. C'était mobilité. Ouais. Rester encore là-dessus. Par contre, je pense que je peux me rajouter. Augmenter, réduire. C'est quoi ça? On peut absorber l'argot et s'en servir comme pouvoir. Voilà. On va essayer de se filer un peu de dégâts supplémentaires tout de même cette fois-ci. Là. Plus 17. Enfin, plus 3, mais un peu plus 17. Hein. Moi, je peux encore m'en rajouter. Ok. On va aller voir ce que ça nous fait tout ça maintenant qu'on a une attaque
C'est là que j'aime. Ouais, d'accord, j'ai ouvert ici. Ok, très bien. On va se faire ceux qui étaient en bas, là. Saleté! Il y avait un chien, hein. Oh, c'est évident. Ouais, ça va mieux. Saleté de Kleps. Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là cette fois-ci pour le coup. Pour l'instant, c'est énigmatique. On va voir un peu le jeu sur sa suite et essayer de suivre un petit peu l'histoire aussi. Parce que c'est vrai que pour le moment, j'ai pas vraiment suivi l'histoire. Mais c'était aussi pour se faire une petite découverte du jeu et découvrir tout ça ensemble. Allez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dirai à bientôt. Je vais voir où est-ce que je le mets dans ma semaine. Allez, à bientôt. Au revoir.